There's the game plan, boys. That's it. That's all. Okay? Worst thing I can do right now is go through fucking details, overload info. It's one fucking game, 60 minutes. And that's all you guys gotta do. Now, I know I was real hard on you yesterday. You probably wanted to see me as much as I wanted to see you. But I'll tell you one thing. One of the reasons is I know what you guys got. I know what you're capable of doing. I know what you're capable of giving. And I know what this team is capable of playing. I can't fucking sit back and accept. And that's why I was hard on you, because I know what we're able to do. But I have confidence in you, boys. Okay? Enjoy this fucking game. I told you yesterday, it's fucking unbelievable. Everybody would want to be there. So let's take this game for what it is. An unbelievable opportunity. Nothing more, nothing less. Okay? We go in there together and we stick together during the whole fucking game. All right? I love you guys, all right? Let's fucking make this game be about who we are. Compare souvent le sport à la vie de tous les jours. Et ce qu'on a vécu cette année, c'est, voilà, il dit, c'est un peu comme une relation amoureuse ou quelque chose comme ça. Et voilà, il nous dit vraiment tout ce qu'il a sur le cœur, parce qu'on sait que quoi qu'il se passait après ce match, de toute façon, c'était fini. À ce moment-là, avant la finale, je pense vraiment à tous mes copains, chaque joueur, et on se dit, putain, c'est la dernière fois qu'on va traverser ce couloir. It's probably 2 minutes in that hallway, but it feels like forever. Ça, c'est le plus long moment dans la vie pour arriver dans le vestiaire à la glace. On oublie tout ce qu'il y a autour, que ce soit dans notre vie personnelle ou quoi que ce soit, et on pense vraiment plus qu'à ça. Il n'y a pas de stress, mais c'est vraiment, voilà, l'émotion qui monte et tout. Et puis au moment où le coach il dit allez, c'est parti, et puis une fois que c'est parti, ben, on fonce tête baissée. Pour moi, quand on est monté sur la glace, il ne pouvait rien nous arriver. Bon, il faut un tout petit peu être prudent. Il faut vachement être concentré. J'ai été très haut. J'ai hâte pour monter sur la glace et être en face avec les adversaires. It was unbelievable. I'll remember that crowd when we scored the third goal. It was crazy. I couldn't hear anything on the bench. We were yelling. To say something to each other, and it gives you so much energy when you hear the crowd going for you. And as soon as that we scored that goal, I knew we were going to be champion. That's for sure. We're so proud, and all the team like joining together and bonding and jumping and yelling. It's a great feeling, and I'll remember that for the rest of my life. J'ai commencé cette sport quand j'avais 9 ans. Et maintenant, j'ai 38 ans. C'est presque toute ma vie et c'est autour de hockey. Et le hockey m'a donné beaucoup de choses. Tu sais, fraternité, par exemple, ou comment il faut travailler avec les autres. When you play hockey, you have that feeling of team mentality. You always think about the team before you think about you. In hockey, you can't go too high or you can't go too low. So, as a captain, especially, it was hard because I have 22 guys looking at me and I got scored on. So I gotta go to the bench and just looking like it's nothing. We can come back. There's no reason we can't do it. So it's not a big deal, and we knew we could do it. Voir que sa famille est fière de ce qu'on peut faire. Et ouais, c'est vraiment, ça m'embête même. Ouais, voir sa famille d'être fière de soi, ouais, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, pour moi. Ouais. My 3-year-old son came on the ice and
I took pictures with him, and that was the best moment of my life. I was French champion, and it was Diable Rouge, not Marc-André Bernier. So that's the best feeling. Et tellement on a écrit l'histoire ici à Briançon avec cette équipe, avec ce groupe. Et c'est pour ça, cette finale, cette septième match, ça va rester ici dans la cœur toujours.